Bonjour à toutes et à tous, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc et elle va reprendre un petit peu le chemin que j'avais pris lors de ma première vidéo où j'avais fait une vidéo donc pour parler de la course au titre et aujourd'hui je vais vous parler de la course au maintien en Ligue 1 en parlant surtout de quatre équipes parce que oui comme on va le voir c'est surtout entre quatre équipes que cette course va se jouer. Alors, donc, pour commencer, comme je viens de vous le dire, il n'y a que quatre équipes qui vont y participer. Peut-être quelques-unes supplémentaires en cas de très mauvaise fin de saison. Et donc, on va commencer par citer les équipes qui sont donc Dijon dernier du championnat, qui sont Nîmes, Nantes, Lorient. Et éventuellement, en cas de fin catastrophique, il peut y avoir Saint-Étienne, Strasbourg, qui sont les deux équipes juste au-dessus des autres équipes que je vous ai citées avant, et aussi peut-être Brest, par exemple, ou encore Nice, par exemple, ou Bordeaux aussi. Donc, comme vous pouvez le voir sur le classement, voilà, les quatre équipes Dijon, Nantes, Nîmes et Lorient sont voilà un petit peu plus décrochées par rapport aux autres équipes de devant eux, mais en cas de bonne fin de saison et de mauvaise des équipes devant, ça pourrait se regrouper et donc on pourrait avoir une bataille à un petit peu plus d'équipes. Cependant, moi j'imagine qu'il n'y aura pas de regroupement, que Saint-Étienne, Strasbourg vont réussir à se sauver et à gagner assez de matchs et de points en fin de saison pour assurer leur maintien. Donc on va se concentrer sur les quatre dernières équipes du championnat. Alors déjà, pour pouvoir vous donner un classement en fin de vidéo, il m'a fallu m'appuyer sur plusieurs critères pour essayer d'évaluer les chances de chaque équipe pour se maintenir. Donc le premier critère que j'ai choisi, c'est le calendrier. Voilà, j'ai choisi des critères un petit peu les mêmes que lors de ma vidéo pour la course au titre, parce que voilà, c'est pour évaluer le classement, ça me paraissait assez logique. Dijon, donc leur calendrier, c'est l'équipe qui est la plus en difficulté, qui aura le plus de mal à se maintenir, mais ils ont un calendrier qui n'a pas l'air si compliqué que ça sur le papier. À mon avis, ils peuvent prendre des points sur presque tous leurs matchs, sauf trois rencontres qu'il leur reste à jouer, qui sont des matchs contre Marseille, Monaco et Rennes. Donc voilà, c'est des équipes qui jouent plutôt pour une place européenne. Donc c'est des matchs qui normalement sont perdus d'avance, on va dire. Mais on ne sait jamais, hein, puisque une équipe qui se bat pour le maintien a souvent des arguments à faire valoir en fin de saison et de l'envie. Donc Dijon, pardon. Devra vraiment se battre avec ses armes. Et puis donc en fin de saison, ils ont des matchs contre des adversaires un peu directs pour le maintien, contre Reims, Nice, Nantes ou encore Saint-Étienne. Nantes et Saint-Étienne, c'est les deux dernières journées du championnat. Donc Dijon aura de quoi faire pour récupérer des points, même si ça sera vraiment compliqué. Je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Après avoir parlé de Dijon, on va parler du FC Nantes. Les Canaris qui sont, comme vous le savez, entraînés par Antoine Comboiré depuis assez peu de temps, hein, parce qu'il a remplacé Raymond Domenech, qui avait lui-même remplacé notre cher Christian Gourcuff. Voilà, Valdemar Quitta fait des siennes. Et donc, au Quitta Circus, les choses sont assez mal passées cette saison. Les Nantais sont en difficulté, même si ils ont quand même des choses à faire valoir. Et oui, donc, ils ont des arguments à faire valoir, le FC Nantes. Et on l'a vu récemment, notamment avec la victoire ce week-end de Nantes contre le PSG, même si le PSG n'était pas vraiment à son niveau, on va pas se le cacher. Mais le FC Nantes, depuis Comboiré, je crois. C'est vraiment très une défaite, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est des points pris à presque tous les matchs. C'est un FC Nantes qui retrouve des couleurs et que même malgré la mauvaise gestion de Valdemar Quitta, on a envie de voir rester en Ligue 1, même si on pourrait se dire que repartir en Ligue 2, pourquoi pas, ça pourrait leur faire du bien peut-être, reconstruire le club. Après tout, on verra, mais je pense honnêtement que le FC Nantes est sur la bonne voie actuellement pour redresser la barre. Le calendrier des Nantais, ça sera un match très important contre Lorient dès la prochaine journée. Donc Lorient, qui est l'équipe qui est juste devant eux au classement, puisque Nantes est barragiste, 18e, et Lorient est 17e. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Ce week-end, ce sera un match très important. J'espère qu'on ne va pas avoir un 0-0. J'espère que les deux équipes ne vont pas se neutraliser.
En tout cas, ça sera à suivre, ça sera un match charnière pour la lutte au maintien. Si une des deux équipes gagne, elle prendra une bonne option pour se maintenir et peut-être pourrait prendre de l'avance sur Nîmes par exemple ou Dijon. Voilà, donc le calendrier nantais ne s'arrête pas là. Ils auront aussi des matchs contre Nice, Strasbourg, Brest, Bordeaux, voilà les équipes qui sont un petit peu plus devant, et Dijon à la 37e journée. Dijon, si jamais ils sont revenus un petit peu, eh bien il faudra peut-être les abattre en toute fin de journée, à la 37e journée, en toute fin de championnat, pardon, à une journée de la fin. Il y aura une belle rencontre contre Dijon. Belle, je ne sais pas, mais en tout cas, une rencontre importante. Nîmes, la prochaine équipe, a elle aussi un calendrier pas donné, hein. Des rencontres compliquées, une contre le LOSC à la prochaine journée, puis ensuite des matchs contre Lyon et Rennes aux deux dernières journées. Donc là, ça va vraiment être compliqué. Peut-être que l'équipe, justement, sera super motivée et fera chavirer les deux grosses équipes, on va dire, qu'ils vont affronter. Mais il n'y aura plus aucune rencontre pour Nîmes contre les autres équipes qui seront adversaires directs pour le maintien. Il n'y a plus de rencontres contre Lorient, Nîmes, Dijon. Ça sera d'autres matchs contre la SSE, Brest, Strasbourg ou Reims. Donc voilà, c'est quand même un désavantage à mon avis pour Nîmes qui ne pourra pas faire un trou avec leurs adversaires directs en les battant sur le terrain. Non, ça sera toujours des confrontations à distance entre Nîmes et ses adversaires. Lorient, donc, comme je vous le disais, va affronter Nantes lors de la prochaine journée. Lorient, c'est l'équipe la mieux placée des quatre dont on parle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui va le mieux s'en sortir, hein. Récemment, c'est pas celle qui a la meilleure dynamique. Bon, je vous le disais, Nantes a une très bonne dynamique récemment. Nîmes, c'est pas mauvais non plus. De toute façon, on va revenir sur la dynamique après. Mais Lorient, donc, c'est l'équipe la mieux placée, en tout cas au classement. Ils ont battu Paris, hein, comme Nantes l'a fait récemment, mais Lorient aussi l'avait fait un peu plus tôt dans la saison. Lorient, ça sera un derby breton contre Nantes, enfin contre Nantes, puis contre Lorient, si on considère que Nantes est en Bretagne. Hein. Ça, chacun a son avis. Ensuite, il y aura un match contre Strasbourg lors de la dernière journée, ou encore un match contre Bordeaux lors de la 34e journée, puis des matchs compliqués aussi contre l'OM, l'OL, et dans une moindre mesure contre Lens et Metz qui, eux, vont se battre jusqu'au bout pour avoir une petite place en Conférence Cup, peut-être la nouvelle Coupe d'Europe qui est attribuée au 5e de la Ligue. Donc, si je devais faire un petit bilan des différents calendriers, je dirais que le plus difficile est pour Nîmes car il n'y a plus aucune confrontation contre les équipes directement adversaire au maintien. Sinon, il y a aussi un calendrier pour Dijon qui n'est pas très facile, avec des rencontres compliquées contre des gros adversaires. Et sinon, en revanche, Nantes et Nîmes s'en sortent un petit peu mieux. Si je devais évoquer rapidement l'ASSE, l'équipe qui est juste devant les quatre derniers au championnat, c'est des matchs compliqués qui leur restent. Trois matchs contre trois des quatre premières équipes du championnat. Sauf l'OL, bon, les derbies sont déjà passés, mais il leur reste un match contre Monaco, contre Paris et contre Lille, et aussi un match contre l'OL, donc vraiment des matchs compliqués pour Saint-Étienne. Donc attention, Saint-Étienne, il ne faut quand même pas qu'ils perdent trop de points, parce que si jamais Lorient-Nantes venait à faire une bonne fin de championnat, ils pourraient leur revenir dessus, et donc Saint-Étienne pourrait être en danger. Pour vous donner une idée, lors de la dernière saison complète qu'on a vécue en Ligue 1, le barragiste avait eu 34 points, c'était Dijon, à ce moment-là d'ailleurs ils se sont maintenus en Ligue 1, et le premier non relégable, Monaco à cette époque-là, avait 36 points en fin de saison, donc je vous ai fait un petit calcul pour vous donner les ratios et les chances de maintien de nos équipes. Pour atteindre les 36 points, Dijon devra gagner 2,33 points par match, ce qui est absolument énorme, et il faudra plus que doubler leur nombre de points en 9 journées, ce qu'ils n'ont pas su faire lors de tout le reste de la saison. Ils ont seulement 15 points. Il faudra 21 points pour atteindre les 36 points de Monaco lors de la dernière saison complète en 9 journées, ce qui est absolument... je ne vois pas trop comment c'est faisable parce que ils ont que 15 points actuellement à la 29e journée. Alors que donc il faudra plus que doubler leur total. Voilà, comme je vous l'ai dit, en gagnant 2,33 points par match, c'est pas faisable à mon avis. Nîmes devra, elle, gagner 1,11 points par match.
ce qui est faisable, hein, voilà, ils sont à 10 points des 26 points, des 36 points, justement, ils ont 26 points. C'est largement faisable. Et puis ensuite vient Nantes et Lorient qui donc à qui il manque 9 et 8 points. Autant vous dire qu'il faudrait 1 point par match pour Nantes et 0,88 points par match pour Lorient pour atteindre ce total. Il devrait largement le faire à mon avis quand même. Même si sauf saison, fin de saison catastrophique. Mais il est important de souligner que les 36 points de Monaco, premier non relégable en 2018-2019, étaient un total très faible car sur les 10 années précédentes, jamais un non relégable n'avait eu aussi peu de points. Même le barragiste n'avait pas eu 36 points au moins sur les 10 dernières années. Donc vraiment, Monaco s'en était bien sorti, Dijon aussi qui veut finir barragiste. Donc il faut s'imaginer qu'il faudra sûrement plus de 36 points pour se maintenir. Ça va tourner peut-être aux alentours de 38-40 points. Enfin, si on fait un bilan un peu plus concret, il faut prendre en compte les dynamiques. Et les dynamiques actuelles donc, vont en la faveur de Nantes, comme je vous l'ai déjà dit. Nantes, c'est une seule défaite sur les 6 derniers matchs. L'arrivée de Comboire a clairement fait son effet. Le départ de Domenech aussi, peut-être. Mais en tout cas, Nantes est très en forme. Et il faudra vraiment compter sur eux jusqu'au bout. En revanche, si on prend l'inverse de Nantes, c'est Dijon. Dijon, c'est 9 défaites lors des 9 derniers matchs en Ligue 1. Et 12 matchs sans victoire. C'est absolument énorme. Honnêtement, je ne vois pas comment Dijon peut se relever. Nîmes, quant à elle, les Nîmois, les Crocos, ont un total de 3 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs. C'est convenable, honnêtement, une seule défaite, c'est pas grand chose. S'ils continuent sur leur lancée, ils peuvent prétendre au maintien. Enfin, Lorient, c'est une victoire, 3 nuls et 2 défaites sur les 6 derniers matchs. C'est la deuxième moins bonne dynamique, juste devant Dijon. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils sont 17e, certes, mais ils ont pas une moins bonne dynamique que Nantes et Nîmes actuellement. Donc les cartes sont vraiment rabattues et ça nous promet une fin de saison à spectacle entre ces trois équipes, donc qui sont Lorient, Nîmes et Nantes. Dijon, je suis désolé pour les Dijonais, les supporters Dijonais qui me regardent peut-être, mais à mon avis, vous êtes déjà condamnés et... Il y a une des équipes qui vous accompagnera. Et là, c'est le moment de vous donner mon pronostic pour les équipes qui se maintiendront ou pas. Alors, je vois Dijon dernier. Avec, je suis désolé pour vous, amis Nîmois, mais je pense que vous allez terminer à la 19e place et que vous allez accompagner les Bourguignons en Ligue 2. Et Lorient, je vous vois barragiste l'orienté. Car c'est quand même une place qui à mon avis soit assez correcte pour vous et à mon avis vous allez réussir à vous maintenir via les barrages. Je ne veux pas trop m'avancer mais je pense que Lorient a quand même un niveau assez correct pour la Ligue 1 et capable de se maintenir par les barrages. Enfin, je vois Nantes rester en Ligue 1. L'arrivée de Comboiré me semble faire un très bon effet sur les Nantais et je pense qu'ils vont être capables de se maintenir. Alors c'est peut-être un bien pour un mal hein, parce que Valdemarquita va donc peut-être rien changer, va continuer à virer 3 entraîneurs par saison. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les Nantais vont se maintenir en espérant qu'ils arrivent à changer leur modèle. Sinon, je pense, j'ai peur pour eux qu'ils fassent une trajectoire à la Toulouse et qu'ils finissent par descendre peut-être la saison prochaine ou une saison dans pas très longtemps en tout cas. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire voilà, votre top 4 des 4 dernières équipes du championnat cette année. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ouvert au débat. D'ailleurs, vous pouvez même débattre entre vous après en commentaire, c'est toujours intéressant. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Voilà, quand je vois le nombre d'abonnés augmenter, j'ai le sourire aux lèvres. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur la course au titre ou mes autres vidéos si vous avez envie. Et puis, on se dit à bientôt. Salut!